Tiens, salut toi. Bouh, tu sens pas super bon. Mais bon, t'as l'air sympa. Allez, Zou, retourne d'où tu viens. J'ai du boulot, moi. Tiens, ça devrait te faire du bien. Oula! Hé, hey, doucement! Wow! T'as pas mangé depuis quand? Hé, hey, salut Mina! Salut, ça va? Tu tombes super bien! Ah bon, pourquoi? Tu devineras jamais qui vient d'arriver chez moi. Tristan. Mm-mm. Le prof de maths. Mm-mm. Johnny Depp. Mm-mm. Mm-mm. Incroyable! Un chat? T'as un chat, toi, maintenant? Il s'est incrusté. Le problème, c'est que maman va faire une attaque. Ouh! Et elle adore les animaux, non? Ouais, sauf les chats. Ah bon? Ça date de quand elle était petite. Un jour, elle jouait tranquillement dans le jardin à Mortebouze. Tout d'un coup, elle a vu passer un chat tout mignon. Elle a voulu le caresser, mais le chat s'est sauvé et il est monté direct en haut d'un arbre, tu vois. Du coup, ma mère, elle a grimpé pour rejoindre le chat, tu comprends? Mais ce chat, en fait, il était pas trop sympa. Il lui a déchiqueté la main, le chat, sous le coup de la douleur. Ma mère, elle est tombée de l'arbre, pile dans une flaque de boue. Aïe, la tuile! Tu m'étonnes. En prime, elle a pris une fessée pour avoir abîmé ses vêtements. C'est pour ça qu'entre elle et les chats, c'est la haine. Dure. Et là, au fait, elle est où? Elle fait du shopping. Elle a décidé de changer de look. Encore? Bah ouais. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je peux vous être utile? Oui. Voilà, j'aimerais changer de look. Il me faudrait de nouveaux vêtements. Ça tombe bien, on en vend. Oui, bon. Vous préférez quel style? Ben, en fait, j'aimerais quelque chose de féminin, mais quand même pas trop. Je ne suis pas non plus, vous voyez quoi. Je veux dire, ce qu'il me faudrait, ce sont des vêtements qui fassent jeune, mais qui me donnent une certaine maturité. Et surtout, un truc assez habillé pour que je puisse le mettre tous les jours. Je vois que madame sait ce qu'elle veut. Et toi, t'aurais pas envie d'adopter un chat? Avec Jean-Pascal, t'es dingue! Il est hyper jaloux comme chien! Non, ce qu'il faudrait, c'est le refiler à quelqu'un. Oh, j'ai une idée! S'il vous plaît. Oh, magnifique! Ouais, c'est pas mal. Un peu strict, peut-être. Et puis, ça me vieillit, non? Et c'est un peu serré à la taille. Et puis, j'aime pas trop la couleur. Non, non, je vous assure, c'est nickel! Ouais. Finalement, bof, je vais essayer autre chose. Prenez votre temps. T'es sûre de toi? Sûre. Ah. Madame Schurm, c'est l'amie des bêtes. Elle recueille tous les animaux errants. Qu'est-ce que c'est? Vous venez payer le loyer? Non, c'est moi, Madame Schurm, c'est Lou. J'arrive, ma petite, j'arrive. Bonjour. Voilà, on a trouvé un petit chat et on se demandait si vous pourriez pas l'adopter. S'il vous plaît. Il est à qui, ce chat? Ben, comme on l'a... Et trouvé... comment il s'appelle? Oui, ben, je sais pas. Il est propre, moi. J'en sais rien. Bon, d'accord, je le garde. Alors, on est un bon chat-chat. Ah, voilà. Tu vas te plaire ici. Tu as plein de nouveaux copains. Oui. Je te présente ta nouvelle maison. Oula, doucement. Mais n'aie pas peur. Reviens, Minou, reviens. Minou. Il a filé. Tant pis pour lui. Il a vraiment un caractère de cochon, ce chat. Allez, viens, fais pas cette tête. C'est sûrement mieux comme ça, avec ta mère et tout. Mmh.
Il a dû repartir chez lui. C'est pas ce que tu voulais. Oh, dingue! Il est revenu! Génial! Mince alors. Bon, cette fois on va l'attraper et le donner à quelqu'un qui saura s'y prendre avec lui. Hey! Où tu vas? Viens ici! J'y arrive pas! Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça se porte comme ça. Vas-y, coince-le. Caramba! Encore raté. J'ai une autre idée. Je vais louer un costume de souris et... N'importe quoi. Et si t'avais été plus à droite pour l'attraper aussi? Oh, ça va, hein. Si tu le prends comme ça, je te laisse te débrouiller toute seule. Attends, je m'excuse, là, voilà. Bon, ok. Mais si tu veux capturer ce minou, tu devrais faire appel à un professionnel. Mais qui? J'en sais rien, moi. Un gardien de zoo ou un dompteur? L'ancien de l'immeuble! Il était dompteur? Non, mais je crois qu'il a passé une partie de sa vie en Afrique et il paraît qu'il aurait capturé des milliers d'hippopotames. Quoi? Ben oui, c'était son métier. Là-bas, il était... des hippopotameurs. Ah! Oh, superbe! Ah oui, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est? Alors? Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger. Voilà, j'ai un petit problème. Figurez-vous qu'il y a un chat chez moi. Il est en train de squatter. Mais en même temps, j'ai pas envie de le chasser. Mais il y a ma mère, elle s'achète des fringues. Elle déteste les chats. Et du coup, il s'est planqué sous le lit. Alors, j'ai besoin d'un petit peu d'aide. Et j'ai imaginé qu'avec votre passé en Afrique, vous auriez pu nous aider à l'attraper. Et... Hé, où allez-vous comme ça? La chasse aux félins est ouverte. Restez ici, camarade. Ça peut être dangereux. Vous savez, c'est juste un chat. Ce n'est jamais juste un chat. Il m'a donné du fil à retordre, mais je l'ai harponné. Qu'est-ce que vous allez en faire? Le garder, c'est justement l'ingrédient qu'il me manquait. L'ingrédient? Monsieur, attendez. Oh, salut Louloute, t'aurais dû venir avec moi. Je me suis éclatée. Ben, c'est quoi cette tête tristounette? Rien. Faut que j'y aille. Salut Mila. Salut. Bon, moi je rentre. Salut. Ben non, qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien. C'est juste que... Ah! Quoi? Là, il y a un... Il est monté sur... Ah non, je déteste les... Hé! Hey! Je ne veux pas de cet animal ici! Non, il ne peut pas rester! Ah! Attends, je vais le faire sortir. Ah, c'est vous, monsieur.
Dis donc, l'ami, t'aurais pas vu mon ingrédient? Il a filé comme un lâche. Il y a du nouveau, monsieur, on a décidé de le garder, en fait. Ah bon? Dommage. Enfin, si vous changez d'avis, faites-moi signe, et avant la prochaine pleine lune, si c'est possible. En Super 4, tir au flanc, ou la flaque, ou le boulet, ou Brandon 8, Hulk, Nyarlathotep, Kid Gérard. Petit chat, c'est maman. S'il te plaît, maman. Hey, ça t'ennuierait de m'aider à lui trouver un nom? Je cherche. Petit. Mongo Elvis. Chachoumou. Ah non, j'ai trouvé. Super Satori. C'est bien ça. Bof. Alors, les filles, comme d'habitude, votre table est prête. Merci. Et voilà, Mia Poupa. Merci. Il faudrait un quatrième menu. Richard déjeune avec nous. Richard? Ma quel Richard? C'est les garçons avec la tête des fouines et des poils dans les oreilles. Non, lui, c'est... Alors, c'est celui qui photographie les pigeons et qui met des tongs en plein hiver. Non, lui, c'est Franck, perdu. Richard, c'est notre voisin. L'homme idéal, pas vraiment? Lou. Bonjour. Bonjour, tout le monde. Je vous présente Gino, voici Richard, et Richard, voici Gino. Ah, belle, Richard. Je suis sûr que vous avez toujours rêvé de visiter une pizzeria. Ben, en fait, pas vraiment. Massi, suivez-moi. En route pour une visite guidée spéciale, Gino. Il ne va pas oser lui faire passer le test quand même, si? Si, j'ai bien peur que ce soit ça. Ben, fallait s'y attendre, c'est son rituel. Il l'a fait à tous les autres. Waouh, elle est super nickel, votre réserve. Il va où, l'escalier? Il conduit au jardin. Et là, c'est... La chambre est froide. Oui, ça porte rudement bien son nom. On peut pas dire qu'il fasse très chaud. Alors, il paraît que vous êtes l'homme idéal. De qui? De Mia Poupa. Vous êtes amoureux d'elle. Amoureux? C'est juste une voisine. Pour l'instant. Ah, por que miseria! Mais qu'est-ce qu'elle vous trouve? Pourquoi je... C'est quoi ce look? Regardez-moi ça! On dirait un gilet en peau des moutons mortons! Ben, c'en est un. Non, mais qu'est-ce qui vous fait dire que je suis amoureuse de Richard d'abord? La première fois que tu l'as croisée, t'étais pétrifiée, toute rouge. Tout ce que t'as pu dire, c'était. Un peu comme Lou maintenant, là. Ben, c'est pas Tristan, là? Mais si! Le jour J du premier contact est arrivé! Ma petite cocotte, tu vas enfin lui parler! Te dégonfle pas! Lamentable. Donc, pour résumer, vous avez fait du curling et vous écrivez une hôtesse. Et je joue aussi de la contrebasse.
Désolé, ça ne va pas coller avec Poupa. Vous êtes trop farabuto. Farabuto? Qu'est-ce que ça veut dire, farabuto? Bon à rien. Comment? Et vous pourriez rester poli. Allez, finis la comédie. Je vous laisse ici avec vos copains les calamars surgelés. Moi, je remonte. Porca miseria. Le pizzaiolo aurait tout de même pu nous apporter le menu. Allez, papy, t'énerve pas. Pour une fois qu'on va au restaurant. Ah non, je suis pas sûr, mais il y a des limites. Vous avez raison, monsieur. Et ma salade, alors? Il est allé la cueillir dans le jardin ou quoi? C'est vrai qu'il est plus long que d'habitude, le test de Gino. C'est mauvais signe, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est mauvais signe, c'est cette odeur de brûlé. C'est dingue comme ça réduit à la cuisson une pizza. Alors, c'est une pizza 4 saisons, c'est pour l'été prochain ou quoi? Bien, comme dirait Sidéra, la baroudeuse du cosmos. Quand il faut y aller. Il faut y aller. Lou, tu vas prendre les commandes des clients. Notamment celle de Tristan. Bon, alors tu vas essayer de retrouver Richard et Gino. Bien, donc c'est Mina qui va prendre les commandes. Tiens, serre des olives aux clients, ça les fera patienter. Et toi, tu fais quoi? Ben moi, je cuisine. Faut bien les nourrir, tous ces braves gens. Maman, la dernière fois que t'as fait une purée, t'as oublié de cuire les pommes de terre. Je vais assurer. Je parie qu'il y aura au moins un client satisfait ce soir. Ok, si c'est pas le cas, c'est toi qui t'occupes de la lessive cette semaine. Ça marche. Madre mia, je vais perdre ma clientèle, faire faillite et être obligé d'aller vivre dans les bois. Mais non, Gino, rassurez-vous, nous serons congelés bien avant. Tout ça, c'était votre faute. Quoi? J'étais juste venu pour manger une pizza avec ma voisine. Qui m'a amené ici, hein? Qui? Et qui a cassé la poignée? À cause de vous, on est enfermé. Trouvez une solution pour nous sortir d'ici et presto subito. Pas de problème. Figurez-vous que je ne suis pas du genre à me laisser démonter, moi. Au secours, les filles! On est coincés dans la chambre froide! Gino! Richard? Vous êtes là? À l'aide! Ouvrez-nous! On est là! Ouvrez-nous! Au secours! C'est bien ce que je disais, farabuto! Si! Alors, Gino et Richard? Introuvable, la porte du jardin est ouverte. Ils sont peut-être sortis? Génial, à dire qu'on avait prévu un déjeuner sympa. Tant pis, on se passera d'eux. Vous voulez encore des olives? Oui, avec 3 pizzas napoletana en dessous, s'il vous plaît. Ça marche. 3 napoletana pour la table de Tristan, c'est urgent. En voilà une, chaud devant. C'est quoi ça? Une calzone. Et comme je n'ai trouvé ni jambon, ni fromage, ni champignons, dedans il n'y a que des brocolis. Allez ma cocotte, courage, apporte ça à Tristan et profite-en pour lui adresser la parole. Go, go, go! Allez! Mirette! Merci. Ça a l'air très bien cuit. Allez, vas-y, dis-lui quelque chose. Assure. Vous avez de l'huile pimentée? Non mais elle n'est pas un peu godiche, cette fillette? Un peu, tu es bien bonne. À la demain, elle n'apporte qu'une pizza. Elle peut dire adieu à son pourboire. Oh, soyez un peu cool. Elle doit être ici pour aider. C'est la première fois que je la vois servir des pizzas. Mais qu'est-ce que t'as fabriqué? T'y étais là, t'avais escaladé toute la montagne, t'avais les neiges éternelles à portée de main, hein? Je sais pas, j'ai eu comme le vertige. Eh oh les minettes, il y a des tas de pizzas made in moi à distribuer, alors au boulot! Je connais une louloute qui va se taper une semaine de lessive. Tenez. Je suis désolé d'avoir cassé la poignée, Gino. Et moi, je regrette de vous avoir amené ici pour vous interroger.
Mais Poupa, c'est comme Mia Bambina. Dès qu'il s'agit d'elle, je deviens très inquiet. Moi, quand je la vois, j'ai envie de souffler doucement sur sa frange, de partager mes céréales avec elle et de lui jouer de la contrebasse jusqu'à ce qu'elle s'endorme en boule comme une petite marmotte à côté de moi. Bene. Et une pizza bolognaise, une. Vous mettez des ananas sur la pizza bolognaise, vous? Oui, et pas de viande. C'est une nouvelle et brillante idée du chef. Je préférais quand le chef n'avait pas d'idée. Et une pizza volcano pour mademoiselle. Alors? Eh bien, 100% des clients sont insatisfaits. Même le bulldog de Monsieur Verdier n'a pas terminé. Bah, je vais à la réserve chercher de la glace à la pistache. Mais personne n'a commandé de glace. Si, moi, j'ai besoin d'un remontant. Quand Flavio vit sa bien-aimée, il s'en fallut de peu qu'il ne mourût de joie au triste souvenir de ses infortunes passées. Autant que sous les poids de son bonheur présent. Hein? Vous connaissez les poèmes italiens du 14e siècle? Ah, bien sûr, c'est une de mes passions. Et moi, c'est le sujet de ma thèse. Mal dans mes bras. Ah, ben vous voilà enfin. Je vous signale que pendant que vous papotez, moi, je suis obligée de faire la cuisine. Quoi? Opération addition. Destination, la table numéro 7. Cible, Tristan. Objectif, entamer une conversation avec la cible. OK? Oui, chef. Nous ne remettrons jamais plus les pieds ici. Qu'est-ce que t'as trouvé? Rien du tout. Boubou n'a jamais aussi mal mangé. Maintenant, il a des crampes d'estomac. Moi aussi. C'était immonde. Absolument infect. Non, ne partez pas. Restez, Gino est de retour. Pizza gratuite pour tout le monde. Si c'est gratuit, alors assis, Boubou. Alors, ça s'est bien passé avec Gino? Disons qu'on a brisé la glace. Tu as mis du guacamole dans la pizza mexicaine? Ben oui, pourquoi? Oh, mamma mia! Ben, le guacamole, ça vient du Mexique. Resali, tu t'aurais pas trouvé mon médiator par hasard? J'ai dû l'oublier sur la table. Bon, tant pis. À plus. Au fait, madame, si j'ai bien compris, c'était vous le pizzaiolo aujourd'hui. Bon, ben, je voulais vous dire que moi, j'ai bien mangé. Allez, salut! Yeah! À toi la semaine de lessive, ma louloute! Pas de problème. J'ai parlé à Tristan pour la première fois, il a plu toute la journée. Ma robe ressemblait plus à rien, mes cheveux non plus d'ailleurs. J'étais trempée jusqu'aux os, mais c'était le moment le plus romantique de toute ma vie. Quand il m'a donné son numéro de téléphone portable, j'avais les mains toutes moites. Heureusement, tout s'est bien passé. La honte, sinon, quand on échange son numéro de téléphone,
c'est un peu comme un mariage, non? Et maintenant, tu comptes t'en servir ou tu vas l'exposer dans un musée? Ben oui, y a pas le feu non plus. Et puis, c'est pas à moi de l'appeler en premier, hein. Je suis une fille, ça ferait trop... Ça ferait trop, quoi. Eh ben, trouve un prétexte pour l'appeler, alors. Un truc qui fasse pas trop, comme tu dis. Je sais, il aime la musique. Je vais lui laisser un message musical. Ah ouais, ce sera hyper romantique. Main? Ouais, on arrive. Ta mère dîne avec nous. Quoi? Ne t'inquiète pas, Mina chérie. Je ne suis pas venue pour te ruiner la soirée. En revanche, ton père, lui, n'a pas hésité à gâcher la mienne. Vous vous êtes disputée, c'est ça? Non. Ton père a eu la gentillesse de me dire que j'étais une psycho-rigide maniaque de l'organisation. J'ai donc décidé de prendre du recul pour réfléchir à cette pertinente remarque. Ouais, ok. C'est bien ce que je dis. Vous vous êtes disputée. Bon, je voulais préparer un bœuf bourguignon, mais je n'avais ni bœuf ni bourguignon. Alors, c'est spaghetti party. Ouais! Oh, des spaghettis, comme c'est amusant. Robert n'a aucun sens de l'organisation. Imagine, il refuse de ranger ses vêtements par ordre alphabétique. Dingue. C'est comme pour les placards de notre cuisine, figure-toi qu'il met toujours tout en vrac. Chez toi, je suis sûre que c'est hyper bien rangé, hein? Ouais, c'est pas ça non plus. Oui. En fait, niveau organisation, je suis... pas très bonne. C'est étonnant. Mais alors, comment fais-tu pour écrire efficacement ton roman? C'est-à-dire que j'écris pas très... pas très efficacement, justement. Ne m'en dis pas plus. Je sais ce qu'il te faut pour retrouver ton énergie. Des nouveaux jeux vidéo? Non, un coach. Choix de la chanson. Alors là, attention, s'agit de pas se tromper. Voyons, le téléphone sonne de Jean-Jacques François... Oublie, c'est un vieux disque de ma grand-mère. Attends, Stacy G, j'ai grave besoin d'amour. Mais t'es dingue ou quoi? C'est trop clair comme message. Oh, bon alors, ça y est, j'ai trouvé. Écoute-moi cette merveille. Oh. Les jeux vidéo avant de dormir favorisent les troubles du sommeil. Mais pas de discussion. Allez, hop, au lit. Alors, qu'est-ce qu'on dit à son coach? Pitié? Non, on lui dit merci de veiller sur mon précieux sommeil. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je t'attends à la cuisine. Petit déjeuner macrobiotique, c'est parfait pour l'inspiration. Tofu au céleri, pain au céleri et fromage blanc... Au céleri. Non, nature. Tu as 5 minutes pour manger. Enfin là, tu n'as plus que 4 minutes 35. Au programme, tu écris de 7h à midi, 2 pages par heure, avec une petite pause de 5 minutes à 10h. Je ne suis pas un bourreau tout de même. Allez. Et médite cette pensée de Maître Kato. Ne gagne pas après avoir frappé, mais frappe après avoir gagné. Prête? Prête. Hey, salut, après le bip, vous savez quoi faire? C'est Lou. Tu sais, la fille sous la pluie, là, tu te souviens? En fait, j'ai découvert une chanson géniale que j'aime bien et je voulais te la faire écouter, quoi. Hier soir, je suis tombé dans le fumier. Et c'est pour ça que je croyais que c'est pas vrai! Mais quelle croûte débile, ce chat! Hier soir, je suis tombé dans le fumier. Votre message a bien été enregistré. Vous pouvez raccrocher. Non! Lou, je t'en prie, sors de cette malle. Non, plus jamais. Tristan n'a pas pu écouter ton message à cette heure-ci, il est encore au water polo. Alors on va aller à la piscine, récupérer son portable et effacer le message. Ni vu, ni connu. Tu crois? Mmh.
Ça y est, il est là, je le vois. Oh là là là, il est trop beau avec son bonnet. Regarde plutôt son poignet, voir s'il a sa clé de vestiaire. Ben, il bouge tout le temps les bras, c'est pas évident. Hein. Pff, en tout cas, je vois pas de clé. Laisse tomber, ça sert à rien. Attends, il l'a peut-être laissé sur les gradins, avec sa serviette, par exemple. Pff, je vois rien d'ici, il faudrait que j'aille au bord du bassin, mais il va me reconnaître. Bah, pas forcément. Hein? Alors dites donc, faut pas vous gêner. Non, mais c'est parce que on avait besoin pour la clé. Enfin, je veux dire, je pouvais pas. Désolée, madame. Vous là, mon casier, faut pas vous gêner. Comment ça, votre casier? Casier numéro 9? Ah, ben oui, je me suis trompée. Tenez, redésolée. Bande de jeunes, va. Je vais au marché bio. On va manquer de céleri. Dommage pour toi, il manque les piles. Oh hein? J'ai pris les dés, c'est pas l'heure du tripot. Au boulot. Oh ah! Vous avez un nouveau message. Aujourd'hui à 9h47. Tapez 1 pour rappeler votre correspondant. Lou, ils ont fini de jouer. Faut aller remettre la clé sur la serviette de Tristan. Allez, grouille. Nous n'avons pas compris votre demande. Tapez 1 Encore vous? Non mais, vous allez me laisser tranquille à la fin. Rendez-moi ma serviette. C'est moi. Je t'ai ramené du céleri et plein d'autres choses hyper saines. Tu as fini tes pages? Je peux les lire? Je t'en prie. Tout va bien, Joss 41? Affirmatif, réorganisation du vaisseau achevée. Parfait, on va passer en vitesse lumière. Allons-y. J'ai pris la liberté de réorganiser le tableau de bord. Pour enclencher la vitesse lumière, il faut désormais utiliser le levier du pilotage automatique. Pour lancer le bouclier à neutrons, il faut se servir des manettes des moteurs auxiliaires. Le système de reconnaissance spatiale se trouve... Sympa. Je fais tout pour t'aider, et c'est comme ça que tu me vois, comme un insupportable robot que tu largues dans l'espace. Non, enfin, je veux dire... Oui, bah quoi, reconnais que parfois t'es un poil maniaque, non? Heureusement qu'il y a des maniaques comme moi pour assister des adolescentes attardées comme toi. Et heureusement qu'elles sont là pour t'héberger, les ados attardés. Franchement, j'ai rarement passé une aussi mauvaise journée. C'est lui? Qu'est-ce que je fais? Bah, vas-y, décroche! Allô? Ah, tiens, salut! Mon message? Ah bon? Ah, génial! Oui, c'est sûr. Ok, bye! C'est fou! Il a eu mon message et il l'a trouvé rigolo! Ah, tu te rends compte? Il m'a trouvé drôle! Oh, c'est magnifique! Attends, tu crois qu'il me voit comme la bonne copine rigolote? Non! Si, 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 c'est ça, je l'ai bien senti à son intonation de voix. En fait, je passe pour le clown de service, quoi. Stop, cette fois, ça c'est... Tu vas l'appeler, lui faire écouter ta chanson et basta, ok? Ok.
Coucou. Ça va? Tu fais quoi? Rien, je... ben... rien. C'est quoi ces gommettes? C'est un petit classement avec des indices de couleurs. Bleu pour les jeux vidéo de combat, vert pour les jeux de sport et rouge pour les jeux de stratégie. Pour l'instant, je n'ai utilisé qu'une seule gommette rouge. Ok, je suis peut-être un petit peu maniaque. Et moi, je suis peut-être un petit peu désordonnée. Désolée de m'être fâchée contre toi. Oh, désolée aussi. Au fond, t'es un bon coach. D'ailleurs, j'ai réussi à écrire mes pages. Mais faut pas trop te mettre la pression, si j'ai bien compris. T'es prêt? Oui. J'y vais. Écoute. Ces vacances à Supercheval, ça devient super compliqué. Déjà en apprenant que Richard avait une fiancée, une fille du pays, Ludmilla, genre sportive énervante. Maman a eu le cœur brisé et s'est foulée la cheville. Alors heureusement que Richard, il a dit à Ludmilla qu'il l'aimait pas en fait. Mais elle l'a mal pris et pour se rapprocher de lui, elle a monté tout un plan pour raviver une vieille rivalité sportive entre l'équipe de curling de Supercheval, dont elle faisait partie avec Richard avant, et celle de la station d'à côté, où Tristan est en vacances, qui s'appelle Val des Nazes, dirigée par un certain Jean-Pierre, ennemi juré de Richard. Vous suivez ou pas? Bon, enfin heureusement Richard a découvert que Ludmilla avait tout manigancé et il a tout annulé pour pouvoir rester au chalet et s'occuper de la cheville et du cœur brisé de ma pauvre maman. Oui, j'espère que l'air de la montagne sera aussi propice à mon histoire d'amour à moi, hein. J'ai rendez-vous cet après-midi en haut des pistes pour pique-niquer avec Tristan et accessoirement peut-être enfin arriver à lui déclarer ma flamme. Et voilà, le pique-nique saveur. J'ai apporté 23 spécialités locales, dont 12 variations de la croziflette au lardon, aux chanterelles, à la moutarde et aux... Waouh, tu fais un truc? Peut-être bien, qui sait. Mais bon, chaque chose en son temps. D'abord, à table. Hey, tu marches sans tes béquilles? Oui, ma cheville va mieux. Alors, le docteur m'a donné l'autorisation de poser le pied. Pour fêter ça, j'ai préparé le repas. Oh. Rien que pour nous deux, tes parents sont sortis. Et c'est toi qui as cuisiné? Oui. Je te fais une croziflette. Tu vas m'en dire des nouvelles. C'est génial. C'était délicieux. Il reste de la croziflette aux myrtilles si tu veux. Ça va aller. Je peux plus rien avaler là. Et en plus, il faut que j'y aille. Mes potes m'attendent pour surfer. Ah, mais attends, je voulais te dire quelque chose. Ah oui, quoi? En fait, ça fait longtemps que... Ouh là là, les pistes ferment dans 2 heures. Désolée, mais je file. Mais ça alors, t'exagères. On peut pas parler 5 minutes, c'est ça? Mon surf. Oups, désolée. Ça glisse bien ces machins-là. Ah! Oh non, il est fendu! Bravo! Ben, sois positif. Si tu le fends jusqu'au bout, ça te fera une paire de skis. Tu te crois drôle? Oh, allez, quoi? C'est pas si grave. On n'a qu'à retourner sur le rocher au soleil, on pourra papoter.
au soleil. Avec ce qui arrive, ça m'étonnerait. Ça annonce quoi, ces nuages? Rien de bon. Waouh, c'est vraiment délicieux. Richard, j'ai quelque chose à te dire. Ce n'est pas toi qui as cuisiné, c'est ça? Oui, j'ai décongelé une vieille croziflette de ta mère. Oh, je le savais. Ok, mais c'est pas ça. En fait, je voulais te dire que... Eh, ça va ma chérie? Perdu dans le blizzard avec Tristan? Mais de quoi tu parles? Vous êtes où? Louloute? Ça a coupé. Où est-elle? À la pointe du... Quoi? Et c'est tout ce que j'ai entendu avant que ça coupe. Ah, j'ai plus de réception! Laisse tomber! Faut qu'on trouve un abri, et vite! Bon, je file au PC de secours. Pas sans moi. Je viens avec toi. Pas question. Ta cheville est encore fragile. Tu restes là. Mais... J'ai deux jeunes portés disparus dans le blizzard. Faut y aller. Ça doit être une sorte de refuge pour les bergers. Ben c'est mignon. En plus, c'est romantique. Tu parles. T'as vu Lily? Bonjour, la misère. Et tu crois qu'on va devoir rester ici longtemps? Un blizzard, ça peut durer plusieurs jours. Et comme on capte plus rien avec nos téléphones portables... Ah, bah dis donc, tu parles d'une tuile. D'après la mère de Lou, ils sont près d'une pointe. Je me charge de la pointe du Grand Mouraz. René, tu pars à la pointe des Trouillettes. Robert, tu montes avec moi? Non, c'est moi qui t'accompagne. Tranquillement au coin du feu pendant que ma fille se transforme en glaçon. Oh, ok, en route. Pardon. Ils ont des gènes de phoque, les bergers du coin. Ils doivent faire moins 10. Tu m'étonnes, ça pèle. Cela dit, il y a une solution si on se pelotonnait tous les deux dans les couvertures, bien serrées. Il y a rien de mieux pour se réchauffer. J'ai vu ça dans une mission. C'est mieux que... Enfin, c'est mieux, quoi. Pas la peine. Eh? J'ai trouvé de quoi faire du feu. Mais il n'y en avait qu'une. Désolée, c'est pas de chance. Maintenant, il n'y a plus qu'à se pelotonner dans les couvertures. Normalement, non. Mais là, on ne va pas vite. Évidemment, on a une surcharge. Quelqu'un est trop. Je suis tout à fait d'accord. Loubouniazou triplage d'ifroisse. Balak, charclava, akoulvitch. Ohé! Ohé! On a passé la pointe des Trouillettes au pain de fin. Personne. C'est pas vrai. Ma louloute. Mais puisque je te dis que c'est le froid qui m'a fait éternuer. Ouais, tu parles. Mais enfin, quel intérêt j'aurais à la souffler exprès ton allumette? C'est vrai, je vois pas. Ah, bah enfin. Ok, excuse-moi. Tu sais quoi? Je crois que j'ai une idée pour nous réchauffer et faire passer le temps. C'est pelotonner tous les deux? Non, un petit concours à Super Dario. Hein? Ouais, ouais, Tristan! Lou! Tristan, répondez! Personne. On ne peut pas fouiller toute la montagne. Et la nuit va bientôt tomber. Je suis vraiment désolé, on va devoir arrêter. Lou! Lou! Owen! Yeah! Combo flash kick et anti-saut. Accroche-toi pour battre ça. Oh! Quoi? T'as perdu? Non, j'ai...
Oh, j'ai plus de batterie et j'ai même pas eu le temps de sauvegarder. Oh non, ben zut alors. Mais tu sais quoi? On n'a qu'à discuter un peu, ça nous fera oublier le froid et puis c'est l'occasion de se dire un tas de choses. Par exemple, moi je voulais te dire que... Lou! Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Oui, il faut qu'on abandonne les recherches. Mais c'est génial, ça capte de nouveau. Alors, on va pouvoir appeler Lou? Ouais. Lou? Oh. Ça va? Nous aussi, ça vient de revenir. C'est où? La pointe du Croc-Blanc? C'est le pic du Croc-Blanc. Non, c'est pas pareil. Bon, bougez pas, on arrive. Ouf, ça y est, on est sauvés. Youhou! Fini la galère. Oui. Enfin, en fait, je me disais que toutes ces heures passées ensemble, le pique-nique, le blizzard, le refuge, c'était... Oh, horrible, tu m'étonnes. Un vrai cauchemar. Alors là, c'est pas du tout ce que je me disais. Excuse-moi, je pensais pas à... Je voulais pas te faire de la peine. Et si tu venais à côté de moi, je commence à avoir sérieusement froid. Allez, quoi. Alors, c'est quoi ce fameux truc que tu voulais me dire? Eh ben, je... Bonjour. Tristan? Je suis Jean-Pierre du poste de secours de Val des Nazes. C'est ton oncle qui nous a prévenu de ta disparition. Allô? Maman! Jean-Pierre? Ludmilla! Tiens, salut Jean-Pierre, ça va? Alors te voilà, toi, tu es revenu. Le loser de la brosse, la mauviette du ballet, le minable du curling. Je me moque de ce que tu penses. Je ne veux plus jouer, ça ne m'intéresse plus. Ah oui? T'as peur de perdre les pédales en plein match, hein? Comme la dernière fois. Je n'ai pas perdu les pédales. J'ai fait exprès de perdre, nuance. Les mauvais perdants disent toujours ça, pour ne pas perdre la face. Mais avec moi, ça ne prend pas. Calme-toi, Richard. Allons, Jean-Pierre. Si Richard ne veut plus jouer, c'est son choix. La coupe intervallée restera chez vous jusqu'à la fin des temps, et puis voilà. Pense à ce pauvre Richard qui doit vivre en sachant qu'il a humilié Super Chevelle, tous ses habitants, sa famille, accablés par la honte à cause de lui. S'il ne veut pas les venger, c'est son droit. Non. Prends l'entraînement immédiatement! Rendez-vous à la patinoire! Ouais! On va les tondre, ces cramouflasses de Val des Nazes! Ah! Richard! Attends! Ah! Ah! Maman, ça va? Ah, ma cheville! Hé, hey, oh, Lou! À plus, hein! C'était chouette comme journée, non? Oh. Oui. Vraiment très chouette.
Aujourd'hui, Tristan m'a invité à la piscine. Mais j'ai un gros problème. Je nage, pas très très bien. En fait, je nage comme un fer à repasser. Ou comme une enclume, si vous préférez. Bref, j'ai peur d'être totalement ridicule. Du coup, j'hésite à y aller. Bon, évidemment, ça, c'était avant le coup de jarnac de maman. S'il te plaît, dis oui. Si j'ai bien compris, tu veux que je m'occupe d'Aurélie toute la journée? Elle s'appelle Amélie. Oui, enfin, ta copine lourdingue qui te suivait partout à la fac. Celle que tu surnommais Relou-Garou. Oui. La nana ringarde, timide, complexée, pas drôle et pire cuisinière que toi? Oui, elle est de passage en ville. J'ai pas pu lui dire non. J'aimerais bien rester avec elle, mais j'ai rendez-vous chez mon éditeur. Tu comprends? C'est vraiment important. Allez, ma louloute, quoi? Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Hein? Mais c'est du chantage, ça! Un mois de ménage complet, avec litière du chat à changer, cuvette à récurer et calcaire de la baignoire à gratter. C'est du vol, mais bon, d'accord. Tu parles? J'aurais dû demander plus, oui. Je vais me coltiner Amélie toute la journée au lieu d'aller à la piscine avec l'amour de ma vie. Hé hey. Salut. Salut. J'imagine que tu es Lou. La dernière fois que je t'ai vue, tu étais haute comme ça. Tu es une grande fille maintenant. C'est à cause de ce truc-là, là, la croissance. Tu as l'humour de ta mère. Au fait, elle n'est pas là? Ben non, elle est chez son éditeur. Je vois, sacré Gretzel. Hein? Gretzel? C'était son surnom à la fac. Moi, on m'appelait Relou-Garou. Ouais, je sais. C'est plutôt original. Je n'étais pas très rigolote. Et maintenant? Maintenant, j'ai un peu faim. Si on mangeait quelque chose, histoire de faire connaissance. Le frigo est carrément vide. On va à la pizzeria? Pas question, non. Si tu le permets, je vais nous préparer un petit frishti. Tada! Et voilà! Bon appétit! Alors? C'est délicieux! C'est juste surprenant. Il manque une touche de paprika. C'est une recette que j'ai apprise au Mexique. Vous êtes allée au Mexique? Tu peux me tutoyer. J'y ai vécu 2 ans, oui. J'étais reporter là-bas. Dis, après déjeuner, ça te dirait d'aller faire du shopping? Je n'ai plus rien à me mettre. Ok, si tu veux. Mais je connais pas de magasin qui vendent des vêtements. Ouais, ringard, c'est ça? J'ai pas dit ça. Je te fais confiance pour le magasin, je m'adapterai. Allô? Coucou, c'est moi. Tout va bien? Désolée, je reviens tout de suite. Je survivrai. Amélie a préparé le déjeuner. Ma pauvre louloute, c'était pas trop infâme? Ben non, au contraire, elle fait plutôt bien la cuisine. Mieux que toi en tout cas. Ah, oui, et là on va aller chez SD et CC pour s'acheter des fringues. Ça se passe pas si mal alors? Bah en fait non, on s'entend même très bien. Et toi, dis-moi, ton rendez-vous, qu'est-ce que ça donne? Bah je survivrai, à plus. T'es prête? Go! Alors? Bah comment dire, en fait ça ne te va pas du tout. Toi, en revanche, tout te va. Ouais. Mais ce que je préfère, c'est créer ma propre mode. Quand j'ai du temps, je me fabrique des fringues. C'est dingue, ça. Moi, c'est pareil. C'est marrant. Tu corresponds pas du tout à la description qu'a faite ma mère. J'ai changé depuis la fac. Ta mère aussi a dû changer, non? Je sais pas comment elle était à la fac, mais je crois pas qu'elle ait beaucoup changé. Ne me dis pas qu'elle est toujours aussi fan de jeux vidéo. Bah, plus que jamais. Les jeux ont évolué, mais pas elle.
Et maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire après ce petit shopping? En fait, je devais aller à la piscine, mais... Je crois qu'il vaut mieux que j'y aille pas. Pourquoi? Ben, c'est bête, mais je nage pas très bien. Et j'ai peur que Tristan me trouve un peu godiche. Tristan? C'est ton petit ami? Ben... Ne t'inquiète pas, je vais te donner deux ou trois tuyaux et ton Tristan, il va carrément craquer. Tu crois? Fais-moi confiance. Mademoiselle, nous allons à la piscine. Auriez-vous des maillots de bain à nous montrer? Vous désirez? Voilà. En fait, je voudrais un renseignement. Les deux clientes qui viennent de partir, eh bien... Qu'est-ce qu'elles ont acheté? Bien, des maillots de bain. Pourquoi? Waouh! Tu plonges super bien! Tout est une question de confiance en soi. Allez, à toi! Débrouille très bien. Voyons, ne crie pas comme ça, jeune fille. Tu vas effrayer les tardigrades. Ah, c'est vous. Vous m'avez fait peur. Amélie, je te présente l'ancien. C'est un des locataires de notre immeuble. Amélie, une amie de ma mère. Vous, je vous ai vu nager. Où avez-vous appris? Dans la baie d'Along avec les barracudas? Non, en Afrique du Sud, au milieu des requins blancs. Ah, je leur ai parié. Méfiez-vous d'électroïdes, ils sont partout. Ne vous inquiétez pas, j'ai une dent en céramique. Bien joué, camarade. Au milieu des requins blancs, le pire, c'est que c'est vrai. Hé, Lou. Salut, t'as eu mon message? Oui, tu as pu te libérer finalement? Pas vraiment en fait. Allez, viens, on va nager. Waouh! Tu plonges hyper bien. Salut, voisine. Ah, bonjour. Ne craignez rien, votre fille est protégée par une disciple du grand Matoutou. Oui, j'ai cru comprendre. Après la fac, j'ai appris d'autres langues. C'est grâce à ça que j'ai pu intégrer une ONG. C'est à cette époque que tu as écrit ton livre? Non, ça c'était plus tard, quand je vivais au Japon. C'était un essai sur l'origine du théâtre kabuki. Quand je pense que ma mère galère grave pour écrire le sien. Ben. Gretzel! Salut, Amélie! Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je... Attendez, j'arrive! Mon rendez-vous chez mon éditeur est terminé. Voilà. Et vous, c'était sympa? Oh ouais! On revient tout juste de la piscine. Tristan a trouvé que je nageais super bien, grâce à Amélie! Ah oui? Ça a dû te faire plaisir. Tu m'étonnes! Elle est géniale, Amélie! Tu sais qu'elle danse le flamenco et qu'elle a passé 6 mois dans une lamasserie au Tibet? Sans blague! Et je suis sûre qu'elle a fait au moins 10 fois le tour du monde! Non, 4 fois seulement! Super! Eh bien, moi, je ne parle que le syllabe. J'ai écrit un roman que personne ne lira, ma vie amoureuse est un fiasco, et pour couronner le tout, d'après ma mère, j'ai raté une glorieuse carrière de postière à Mortebouze. Et maintenant, vous m'excuserez, mais je vais rentrer dans mon appartement minable pour prendre un bain! Bah, qu'est-ce qui lui prend? Je crois savoir.
Quand je dis qu'Amélie est super, ça veut pas dire que je te trouve pas super. Toi aussi, c'est juste que... Écoute, il y a longtemps que je voulais te dire quelque chose. Quand j'étais à la fac, je n'avais vraiment pas confiance en moi. C'est à cette époque que j'ai rencontré une fille que j'admirais beaucoup. Tellement que je n'arrêtais pas de lui coller au basque. Et ce n'était pas facile pour elle, tu vois, parce qu'elle élevait un enfant tout en faisant des petits boulots et en continuant ses études. Et pourtant, même si elle ne dormait plus pour pouvoir travailler et avoir ses diplômes, tout en s'occupant de son bébé, elle m'a aidée. Cette fille a toujours été un exemple pour moi. Sans elle, je ne serais jamais devenue la femme que je suis maintenant. J'ai toujours voulu la remercier pour m'avoir donné le courage d'affronter la vie. Alors voilà, c'est ce que je fais. Merci, Gretzel. Une petite partie? Tu sais, pour ça, je n'ai pas changé. Je suis toujours aussi nulle. Justement. D'accord, mais juste une partie, hein.